Un dispositif pour le, pour le dessin. Euh, J'ai essayé de réfléchir à travers euh, cette, cette formule euh, à la manière euh, dont, finalement, euh, Jean Frappa propose euh, le, ce, ce programme de, de télévision, l'un des, des premiers aussi systématiques, euh, intégralement consacré euh, au dessin. Et j'entends évidemment par là le dessin dans son acception la plus ouverte, puisque c'est celle que Jean Frappa lui donne. C'est-à-dire le dessin de presse, le dessin d'humour, le dessin caricatural, le portrait-charge, la bande dessinée, qui sont des formes graphiques qui n'ont pas toujours à voir clairement ensemble, mais que, que lie leur, leur statut de dessin figuratif à une époque où, où règne largement, il faut le dire par ailleurs, l'abstraction et où le retour à la figuration qui s'opérera. Euh, disons à la, à la flexion des années 70 et, et 80, n'a pas encore été euh, pleinement euh, accompli. Alors ce qui dans l'aventure Tacotac intéresse Jean Frappa, qui toute sa vie, je voudrais le dire, a été euh, un passionné d'art graphique, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire passionné de comics, hein, avec euh, Alex Raymond, le créateur de, de Flash Gordon ou de Jungle Jim, euh, passionné d'illustration symboliste, grand, grand collectionneur euh, et historiographe de Raphaël Freda, euh, et euh, passionné de caricature du XIXe siècle, puisque Jean pas, était à la fois euh, très euh, intéressé euh, par euh, Gustave Doré et par André Gilles, auquel il a consacré euh, euh, des documentaires, mais aussi, pour André Gilles en tout cas, euh, un, une exposition euh, et la réédition euh, d'un livre des années 20. Alors, c'est moins... Euh, les dessinateurs, au fond, quoiqu'ils les connaissent souvent très bien, comme le montre le, le soin qu'ils apportent à leur appariment pour qu'ils puissent dialoguer ensemble euh, sur le plateau de Takotak par affinité ou par esprit de, de contradiction, néanmoins, c'est moins les dessinateurs que le dessin même euh, qui l'intéresse, le dessin tel qu'il l'entend, c'est-à-dire le dessin comme trait, comme technique, comme geste, comme traduction d'une inspiration, hein, comme traduction d'une idée. Guillaume, tu parlais de, du disegno comme, comme dessin euh, avec un i et comme dessin avec un e et un i. C'est-à-dire vraiment, il y a cette idée de la traduction d'une inspiration, de la mise en forme d'une idée et comme mode d'expression. C'est-à-dire, euh, si on essaie de trouver euh, un terme permettant euh, de euh, permettant de euh, de rassembler tout cela, euh, le dessin comme euh, mode d'expression, c'est-à-dire le dessin comme langage, véritablement. D'ailleurs, Frappa, dans un entretien, qualifie le dessin de « parfait espéranto ». Je trouve que cette métaphore de l'espéranto est intéressante puisque, précisément, il l'utilise dans la configuration de, de, de Takota, c'est-à-dire un lieu où il va donner la possibilité à des dessinateurs francophones, mais aussi à des dessinateurs étrangers, espagnols, italiens, allemands, américains, de dialoguer de dialoguer par le dessin, c'est-à-dire un principe de communication que frappa lui-même dans un entretien très tardif hein, euh, avec peter ronge euh, va qualifier d'une communication par le dessin seulement, par le dessin. donc on voit bien que pour, euh, pour, pour frappa, euh, le dessin est au centre, donc du dispositif euh, de euh, tac au tac. bon, c'est la première. Euh, c'est la première. Euh, de l'émission, c'est le lancement euh, du jeu avec euh, donc l'énonciation euh, de la règle par, par Frappa. Euh, tac au Tac a donc euh, l'ambition, on le voit là clairement, de valoriser le dessin d'ailleurs en partant de ce... De cette image qui est un fond, qui est censé être une sorte d'œuvre représentant l'irreprésentable, qui est donc un dispositif totalement vierge, appelé à être, à être utilisé, recouvert, et donc à, à passer d'une œuvre non figurative ou d'un objet non figuratif à une œuvre figurative. C'est un, un évidemment un public de téléspectateurs auquel on s'adresse, qui est entendu comme familial et transgénérationnel. On pourrait. À ce moment-là, on, on utilisait beaucoup cette formule de 7 à 77 ans. C'est en quelque sorte le, le spectre du public que, que vise dans toute son amplitude euh, Frappa. Euh, et donc, on voit très clairement, euh, par la mise en scène du début de l'émission, par son lancement et euh, par le premier jeu, euh, comment euh, Frappa euh, s'emploie euh, à, à travers l'instauration d'un dispositif à la promotion euh, du dessin. Euh, C'est un de ces dispositifs dont il a le goût lui-même, qu'il partage avec Pierre Scheffer, euh, et qui est un, un goût cultivé, en quelque sorte, au sein du service euh, de la recherche de l'ERTF, dans cette espèce d'entre-deux euh, qu'on euh, qu pourrait qualifier de, euh, de structuralisme et d'empirisme mêlé. C'est-à-dire, euh, on voit bien qu'à la fois, on, on est dans cette logique euh, structuraliste, et en même temps, on laisse une place on ouvre euh, le, le, la, la rigueur structuraliste pour euh, y permettre, par la pratique, euh, que s'y développent euh, des choses, notamment tous ces effets de surprise liés euh, à l'apparition euh, du dessin. Et c'est ce qui va laisser la place euh, à ce qui est au centre de TacoTac, -Tac, mais plus largement euh, des programmes euh, produits au sein du service euh, de, de la recherche et, et notamment par, par Frappa. C'est-à-dire les mécanismes de la perception auxquels on s'intéresse beaucoup, le, les systèmes de communication euh, qu'on qu théorise fortement euh, à ce moment-là, les potentialités du langage. Euh, c'est le grand moment où euh, la théorie de saussure euh, revient, euh, revient en force. Et euh, c'est euh, évidemment euh, aussi une manière de s'intéresser à l'évolution des, des connaissances scientifiques, techniques ou sociologiques qui euh, servent... De, de, de matériaux euh, au service de la recherche d'une manière large, mais qui participent aussi évidemment euh, des, des outils qui sont à des degrés différents, euh, avec des intensités différentes mobilisées euh, par Frappa euh, dans Tacotac et dans l'ensemble de ses jeux euh, dialogiques. Alors, ce dispositif télévisuel au service du dessin qu'adopte Frappa, il est délibérément expérimental, il est aussi très ludique, Guillaume euh, l'a dit et l'a bien montré tout à l'heure. Euh, le programme consistant à jouer à la télé avec la télé, selon la formule euh, employée par, par Frappa euh, dans les entretiens patrimoniaux euh, de, de l'INA. Euh, et c'est ce dispositif pour le dessin donc, que, que, qui m'intéresse, non seulement à travers sa mise en place et ses déclinaisons, mais aussi au gré de la transgression euh, de ses euh, règles. Alors comme on l'a vu, le, le plateau euh, où l'on enregistre les émissions est assez immuable. Sauf quand on sort du plateau quelques, dans quelques circonstances plutôt exceptionnelles. Et il faut noter le caractère évidemment très sobre, vous l'avez vu, de ce studio dépouillé, qui est agrémenté d'une table, de chaises au design très sixties, où l'on tend de grandes feuilles murales de papier, euh, mais où le plus souvent euh, des feuilles sont disposées sur une ou deux planches euh, à dessin. Et c'est dans cet espace que je qualifierais de White Cube. Euh, que euh, se développent les configurations dialogiques euh, de, de Frappa avec euh, les dessinateurs qu'il invite. Dans une série de propositions elles-mêmes soumises à des inflexions ou à des variations, euh, le producteur invite les dessinateurs à s'exprimer au gré de jeux graphiques qui sont très inspirés du surréalisme. Euh, Frappa ne s'en cache pas, il utilise des termes comme le cadavre exquis qui est directement hérité euh, du surréalisme. En revanche, je suis plus étonné du fait qu'il ne revendique pas ou qu'il ne se revendique pas de l'Oulipo, euh, qui est pourtant euh, le, fondé, au début des, enfin fondé en 1960, donc en ouverture de décennie, euh, et qui euh, sans doute aurait pu euh, l'intéresser, euh, et peut-être d'ailleurs euh, l'a-t-il intéressé quatre exemples, euh, quatre ensembles plutôt de pratiques. Hein. Le cadavre exquis, je disais, à couvert ou à découvert, hein. euh, le motif imposé qu'on détourne ou qu'on contrarie, euh, l'énigme qu'il s'agit de résoudre par euh, la pratique du dessin sur le plateau, et puis euh, ce, qui, ce qui, au fond, est resté comme euh, peut-être comme la, la marque de fabrique de Frappa avec Tacotac, l'humour en escalade avec ce, 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 ce dispositif. Très particulier. Dans ce jeu de situations initiales qui sont définies par des règles, les dessinateurs donc dessinent sous l'œil de plusieurs caméras qui, par plan large ou resserré, par gros plan ou par effet de zoom ou encore par balayage panoramique, euh, suivent chacune des étapes du jeu en mettant les rebondissements euh, en image. Et tout cela donne à voir les contributions de chaque dessinateur. Ça permet aussi d'accéder au dessin euh, final. Euh, élaboré collectivement en tant que euh, composition euh, obtenue euh, sous les effets d'une règle du jeu. Il faut ajouter que le programme sollicite euh, peu euh, la parole, sauf dans l'énoncé initial de la règle et dans le retour sûr de Jean Frappa en fin de, en fin de chaque séquence où il balaye donc de manière panoramique ce dessin pour, pour montrer et rassembler les résultats obtenus. Et en effet, c'est à peine, euh, dans, dans un grand nombre d'émissions, la première étant un peu particulière, si le téléspectateur peut saisir ça et là, euh, une bribe de phrase, un mot, un rire, comme si rien ne devait venir troubler le spectacle du dessin euh, en train de se faire, avec le crissement des feutres euh, qu'on entend souvent assez bien, et, et plus particulièrement chez certains dessinateurs. Euh, on, on avait euh, lundi soir euh, à Beaubourg, euh, Mulatier et, et c'est vrai que Mulatier et Ricord euh, dessinant leur, leur grande gueule euh, dans une forme de monu monumentalité le, le crissement des feux, était très spectaculaire et si de temps à autre des effets sonores et musicaux viennent ponctuer les émissions, c'est pour accompagner pour souligner la théâtralisation d'un effet graphique pour, ou une phase du jeu ou une surprise survenant dans, dans le cours de l'improvisation euh, dont j'en ferai pas est le passeur euh, aux euh, téléspectateurs. Et de ce point de vue- là, l'usage euh, de la musique est une musique en quelque sorte illustrative dont on se disait lundi soir qu'elle avait aussi souvent une grande forme d'ironie euh, dans la manière dont elle accompagnait euh, par les effets qu'elle produisait euh, les dessins. Alors ce dispositif que j'ai là rapidement décomposé en quelques points et qui mériterait évidemment d'être approfondi et précisé, fonde l'effet de série sur lequel le programme euh, fidélise les, les téléspectateurs, autour d'une économie audiovisuelle qui emprunte à celle, très contemporaine par ailleurs, du happening, euh, qui euh, se développe dans les avant-gardes des années 60 et 70, en faisant de la performance un espace d'expérimentation, d'expression et de production, c'est-à-dire ce qu'est ce qu aussi euh, l'espace propre euh, de Tacotac Tac. Et d'ailleurs, si Jean Frappa ne cache pas à ses téléspectateurs que l'émission euh, n'a pas lieu en direct, euh, Il précise très régulièrement que celle-ci est enregistrée. Euh, celle-ci est tournée en quelque sorte euh, dans euh, ce qui permettra de produire ensuite euh, une, une façon euh, de condition du direct ou la perception des conditions du direct pour permettre à cette part du happening d'être perceptible euh, et transmissible en, en dépit euh, du montage. Ce qui est intéressant, c'est évidemment l'abandon de la table à dessin euh, pour, euh, pour un autre type de table, hein, la, la, la table de repas, la table de, 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 de banquet. Euh, sur laquelle des dessins sont produits, par d'autres moyens évidemment que les, les voies habituelles. Et su, 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 tout ça se, pro, pro, se produit sur une proposition de Jean-Pierre Descloseaux, qui a été l'un des principaux invités de, de Frappa, et qui se joue dans la tradition euh, des dessins de convives ou des dessins d'artistes sur les coins de table. Dans les brasseries. On est là aussi, le monde de la brasserie, le monde de la, de, du dessin, de la caricature, de la, de la presse étant très, très lié depuis le 19e siècle. Et tout ceci se joue aussi dans une veine qui n'est évidemment pas sans rappeler, celle des tableaux-pièges euh, de Daniel Speury, euh, le nouveau réaliste. Et donc, euh, quatre dessinateurs, hein, Desclosos, Ciné, Pichat et Puig Rosado, dessinent sur la nappe ou dans leur assiette en utilisant ce qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire des aliments, des reliefs, des. Des ustensiles, une pomme, des cacahuètes, des cornichons, des œufs durs, des tranches de rose-bif, des miettes, un tire-bouchon. Bon, on est très loin de nos, des appels qu'on nous fait aujourd'hui à essayer de limiter notre consommation alimentaire. Euh, on est donc dans cette France des 30 glorieuses, très, très, très consumériste. Euh, et euh, ciné, donc là, euh, est présent dans son, dans son rôle d'antimilitariste, hein, très, très, très établi. Et euh, il trace donc euh, dans, une, dans une assiette, alors j'étais stupéfait, je n'ai pas vu ça tout de suite, dans une assiette de l'ORTF, hein, et, et dont le sigle est retourné, parce que j'ai vérifié, il y en a à vendre sur eBay, dans un moment d'égarement, j'ai failli en acheter une, euh, mais failli seulement, le, le sigle se trouve en haut. Et là, le, le sigle est vraiment retourné. Je ne pense pas que ce soit complètement innocent de sa part. Et il dessine donc ce, 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 ce militaire euh, qu'il qu finit, hein, qu'il achève, euh, dans tous les sens du terme, en lui écrasant violemment une tartelette aux fruits rouges, ce qui provoque ce moment de surprise suivi d'un éclat de rire général. Et on est donc là vraiment euh, dans, euh, dans une pratique, même si elle est, vous le voyez, totalement décalée, ne serait-ce que par la matérialité. Euh, dans une pratique du, du, du dessin d'humour, et donc l'esprit du happening euh, qui sied à tac comme lieu réglé d'expérimentation et d'expression du, du dessin par des dessinateurs qui acceptent de se produire devant leurs confrères et devant les téléspectateurs réside dans la manière dont Frappa euh, n'hésite pas à, à disloquer lui-même son propre dispositif en en faisant voler les règles en éclats pour les transgresser devant les caméras et sans doute ainsi euh, pour les renforcer quand il y fait retour dans les émissions euh, suivantes. Bon, dans ce dernier extrait que je vous montre, qui date du 23 décembre 1973, euh, ce qui se joue, c'est encore une transgression très brutale du dispositif, qui passe par euh, tout ce que je ne vous ai pas montré, mais que vous pourrez voir et que vous devinez à travers ce qu'on vient d'apercevoir, euh, c'est la mise en pièces à coups de marteau et de, et de, de tournevis de façon extrêmement... Euh, euh, agressive, euh, voilà, physique, hein, d'un réveil matin, une espèce de dimension d'énergie comme ça, à l'aide d'outils. Donc, c'est plus du tout le bruit des feutres, mais c'est le bruit des marteaux euh, et de, de, de ce qu'on casse littéralement, donc, euh, avec des pinces, des tournevis, etc. Tout ceci est fait par Desclosot et Puig Rosado. Évidemment, la scène, elle n'est pas sans rappeler les colères d'Armand, euh, autre nouveau réaliste, au, au même moment, hein, quand il détruisait des. Euh, des violons, des guitares, euh, des, des instruments de musique, des pianos, des meubles, euh, qu'il allait parfois jusqu'à jusqu incendier. Vous connaissez ça euh, aussi bien que, que moi. Euh, puis avec certaines des pièces d'horlogerie qu'il récupère, donc les deux dessinateurs, et qu'il dispose délicatement, vous le voyez, il y a une espèce de délicatesse euh, du geste qui va avec la, la poésie de ce qu'ils font. Eh bien, il dépose tout cela délicatement sur une feuille, il compose et il dessine, en utilisant aussi bien des feutres qu'un poinçon de métal permettant de ciseler le papier, de, de l'ouvrir, de, de le fendre, un tableau révélant une sorte de, de ménagerie ou de mini-cirque euh, qui euh, existe aussi par euh, la bande-son, hein, par la musique euh, et par les, par les bruitages qui sont, euh, euh, qui sont indiqués. Donc, pour clore la, la séquence, la caméra filme des gros plans sur des animaux choisis, euh, dont les changements d'éclairage, modifie nettement l'expression par les ombres que cela, que cela produit. Et donc c'est Jean Frappa qui, dans ce dispositif-là, euh, dessine aussi avec la caméra, on pourrait dire qu'il dessine sur le dessin euh, par la manière de, de, de filmer. Donc pour conclure, parce que je ne veux pas, voilà, je vais dépasser deux minutes, mais euh, je, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que se renvoyer la balle du tac au tac, hein, c'est l'esprit du, du jeu proposé aux dessinateurs invités par Frappa, et c'est leur rapidité, en quelque sorte, à à jouer en dessinant à plusieurs mains, dans un dispositif et dans la digression de ce dispositif qui permet de solliciter et retenir l'attention des téléspectateurs d'un point de vue d'une du écriture télévisuelle. Et c'est dans cet entre-deux que Frappa qualifie son programme de Comédia dell'Arte Grafica, ou de surréalisme, que je trouve beaucoup plus intéressant, surréalisme servi à l'heure du repas autre formule de, de Frappa, et dont la colonne vertébrale est que, je le cite, tous les coups sont permis, pourvu qu'ils soient inattendus. Et c'est ce qui va évidemment permettre l'irruption de l'aléatoire, de la poésie du hasard, de la rapidité d'imagination et de la virtuosité des dessinateurs, euh, permettant aux au dessins au dessin, de se dématérialiser et de devenir donc un objet audiovisuel. Merci beaucoup.